Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as rachetés, toi qui nous as appelés, tu as pu verser ton sang précieux sur la croix à Golgotha. C'était à cause de nous, Père Tout-Puissant. Quand il dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 16, versets 26 à 27, que donnerait-il à un homme? Que gagnerait-il un homme s'il perdait son âme? Nous savons qu'ici sur la terre, il y a des gens volontairement qui ont perdu leur âme, qui ont vendu leur âme en échange avec du succès, la réussite, en échange avec tout ce qu'ils veulent avoir. Nous savons aussi, Père, tout ça, qu'il y a de ceux-là qui subissent parce qu'ils ont été vendus. On a vendu leur âme, on a vendu leurs étoiles, on a échangé leur succès. Mais ce n'est qui peut venir nous racheter. Tu nous as rachetés, nous sommes devenus tes enfants, nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5 dit, Christ est venu nous racheter de la puissance du péché. Or, en nous rachetant, Père Tout-Puissant, nous savons que l'Écriture nous dit, dans Apocalypse 1, verset 5, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand tu as pu verser ton sang, c'était pour nous délivrer de la puissance du péché. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, l'ennemi utilise ses péchés pour nous avoir. L'ennemi nous manipule. L'ennemi nous cherche à nous garder dans la servitude. Mais nous savons que toi, notre Dieu, c'est la croix. Quand tu as payé ton sang comme une rançon pour nous, tu es aussi, aussi devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Le travail que tu as fait, c'est la croix. La Bible dit, des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre à cause de nous, pour que nous soyons enrichis. Si nous constatons quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Nous implorons la grâce, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre les rachats de tout ce que nous, on a. Ces rachats, si nos âmes ont été rachetées, nous voulons vivre aussi les rachats, Père Tout-Puissant, dans plusieurs domaines. On a vendu nos biens matériels. On a vendu nos droits. On a vendu les parties du corps humain. Ils ont vendu nos étoiles. Ils ont fait des échanges, des trocs. C'est bon, nous vivons certains malheurs. Seigneur, en priant, nous demandons les rachats de tout ce que nous, on a perdu. Nous voulons vivre de bonnes et de grandes choses. Seigneur, si quelqu'un, quelque part dans la famille de mon père et dans la famille de ma mère, a déjà vendu la richesse que nous, on doit avoir. C'est toi seul, Père notre Dieu, qui peux venir maintenant nous racheter, racheter cette richesse. Seigneur notre Dieu, quand les gens de ce monde utilisent de mauvaises choses, de mauvaises pratiques, nous savons que nous nous sommes approchés du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu que nous prions qui est vivant, qui manifeste sa puissance. Nous savons que nous nous sommes rapprochés de notre Dieu. Et nous entrons devant la présence de Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ, selon le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ce qui nous fait pénétrer devant la présence de Dieu. Nous savons aussi, Père Tout-Puissant, que nous nous sommes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Nous nous sommes rapprochés de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Jésus qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes rapprochés de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Seigneur notre Dieu,
Nous t'avons accepté. Nous croyons à cette œuvre que tu as fait, cela quoi. Mais nous constatons quelque part, il y a plusieurs domaines dans nos vies, des choses n'arrivent pas à aller comme il fallait. Seigneur notre Dieu, comme nous sommes approchés de la montagne de Sion par la foi, nous sommes approchés de la cité de Dieu vivant par la foi, nous sommes approchés de la Jérusalem céleste par la foi, nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés par la foi, nous sommes approchés de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Parce que nous savons que Christ, à travers le travail qu'il avait fait sur la croix, nous savons que ce travail est utile seulement, n'est pas utile seulement pour l'âme, mais pour tout ce que nous, on a besoin. Parce que l'œuvre de la croix a tout accompli. L'œuvre de la croix a fait un travail d'ordre spirituel où nous devons vivre beaucoup de bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il était devenu péché pour que nous soyons devenus saints. Il était devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Il y a eu des meurtrissures pour que nous soyons guéris. C'est pourquoi, en venant devant de toi, Père Tout-Puissant, nous sommes en communion spirituelle avec toi à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, la coupe des bénédictions que nous bénissons, c'est la communion au sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la foi, nous savons que tu as effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui étaient contre nous. Il a éliminé à la croix. C'est bon, nous avons la foi, Père Tout-Puissant, que celui qui a ressuscité le Seigneur notre Dieu, c'est lui aussi qui viendra avec la résurrection dans nos vies. Tout ce qui a été enterré sur le plan spirituel, tout ce qu'on a vendu, que moi je devais vivre, je devais avoir, c'est toi seul notre Dieu qui peux aller récupérer ça dans le monde spirituel. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cette condamnation voulue dans le monde des ténèbres, nous savons que la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Oh, l'esprit de vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Et quand l'esprit de vie se présente dans nos vies, c'est là, Père, que nous devons voir la libération au nom de Jésus-Christ. Si on nous a condamnés à vivre les malheurs, si on nous a condamnés à vivre dans des difficultés, dans le freinage, dans des cassations de vie de mariage, si on nous a condamnés à être toujours malades, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang précieux. Selon Éphésiens 1, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons aussi que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui intercède pour nous. Et quand nous présentons nos situations, quand nous disons à notre Dieu Seigneur, regarde ce qui se passe sur le plan spirituel, on a été vendu, il y a des ceux-là qui ont versé de l'argent. C'est le trône des occultistes, des satanistes. Ils ont vendu nos richesses. Ils ont vendu nos vies. C'est pourquoi il y a la mort qui se prend de temps en temps dans les familles. Ce n'est qui peut nous racheter de cette mort si ce n'est que ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toi qui nous as délivrés de nos péchés par ton sang précieux. Nous voulons vivre la puissance de cette œuvre parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous a affranchis et nous ne serons plus condamnés. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et nous savons que en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. C'est le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Et voilà que nous vivons des condamnations, des misères. Voilà que nous vivons des condamnations des maladies. Voilà que nous vivons des condamnations dans plusieurs domaines dans nos vies. Ce ne vient par ta puissance pour nous libérer à travers cette œuvre de la croix, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens nous libérer par ton sang précieux. Parce que l'esprit de vie, que le sang de Jésus doit nous affranchir
de la loi du péché, de l'esclavagisme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore, malgré tout ce qui s'est passé dans la famille de mon père et de ma mère, quand l'ennemi se présente, il vient avec des réclamations, il dit, il y a telle personne qui vous a vendu. Ils oublient que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne leur appartenons plus. Nous sommes les enfants de Dieu. Quel que soit n'importe quel décret qu'ils ont signé dans le monde spirituel, que ces décrets-là soient détruits au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, versets 10 à 11, il a été précipité l'accusé de nous faire ce qu'ils accusaient devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée, partant de ces versets qui nous dit que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi se présente encore, nous harcelant, nous détruisant, confisquant beaucoup de nos biens matériels, il oublie que la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Il oublie que nous avons la victoire, nous avons l'autorité. Et à travers le sang de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a pris dans nos vies, nous récupérons ça par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les décrets qui ont fait que nous puissions rater nos bénédictions. Nous révoquons ces décrets au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des décrets de ténèbres. Dans ces décrets, il y a de mauvaises choses, Père Tout-Puissant, qui se manifestent. Parce que nous savons qu'un décret est un acte exécutoire émis par un pouvoir. C'est une décision qui ordonne à ce que nous puissions, qui est ordonné dans le monde spirituel, à ce que nous puissions vivre de mauvaises choses dans nos vies. Que nous voulons ou pas, comme il y a ces ordonnances, il y a ces décrets, et nous voulons révoquer, Père Tout-Puissant, tout ça. Parce qu'en t'acceptant, nous vivons de mauvaises choses, alors qu'on doit vivre les effets de l'œuvre de la croix. Nous t'avons accepté, tu nous as rachetés. Que la puissance de la croix se manifeste au nom de Jésus-Christ. Si tu vas publier un autre décret, ce décret-là, quand nous lisons Psaume 2, verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, je révoque tous les décrets prononcés dans ma vie. Je prononce un autre décret au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as engendrés, nous sommes des fils de Dieu. Et que tu nous dis que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on était dans le monde et qu'il y avait des décrets signés dans la famille de mon père et de ma mère, Seigneur notre Dieu, il y a un autre décret que toi tu as signé, que c'est toi qui nous as engendrés en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, pour neutraliser, paralyser, détruire tous les décrets maléfiques signés dans le monde des ténèbres, dans la famille de mon père et de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous jeûnons, quand nous prions, nous savons qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel, où ils ont placé des décrets maléfiques qui doivent nous apporter la mort. Ils ont signé que tous les enfants qui naîtront dans cette famille n'atteindront pas tel âge. Ils ont signé que nos mariages seront détruits. Ils ont signé que nous n'avons pas avoir beaucoup d'argent. Ils ont signé que nous devons vivre des choses bizarres. C'est pourquoi nous demandons la grâce de notre Dieu, comme avait demandé Esther, qui a prié qu'il puisse trouver grâce devant le roi Assuérus. Et nous voulons trouver grâce devant toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous dénonçons ces décrets comme avait dénoncé les décrets que Aman avait signés. Esther, à son tour, a dénoncé ces décrets. Il a parlé de ces décrets au roi. C'est pourquoi le livre d'Esther, chapitre 7, verset 6, nous dit ceci.
L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. C'est ce méchant Aman qui a fait un travail de nous vendre. Parce que nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, pour être égorgés, pour être anéantis. Il a pu verser une somme d'argent chez les rois, en fait que nous puissions trouver la mort en un seul jour. Seigneur, tu connais, nous dénonçons ces décrets qu'ils ont signés dans la famille de mon père, partant de nos richesses, partant de nos avoirs, partant de nos vies. Nous dénonçons ces décrets. Nous révoquons ces décrets. Nous annulons ces décrets par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons, il y avait une lettre qu'Aman avait écrite. Dans des condamnations des ténèbres, il y a des lettres, il y a des livres, il y a des cahiers où ils ont écrit la condamnation de nos vies. Ils ont décrit comment nous on ne doit pas réussir. Ils nous ont condamnés là-bas. Seigneur, nous annulons, nous révoquons par le sang de Jésus-Christ tout décret. Et nous utilisons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand nous utilisons ça, l'Écriture nous dit, nous avons la victoire. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. À travers la parole de Dieu, nous voulons vivre des merveilles, Père Tout-Puissant. Tout ce que le diable a fait, d'affaire de mon père, d'affaire de ma mère, Seigneur notre Dieu, je vais neutraliser, paralyser tout ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que même du temps de Daniel, il y a eu des décrets. Et dans ces décrets-là, où ils devaient mourir tous, parce qu'il n'y avait personne pour interpréter les écrits. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons maintenant, Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Daniel 6, maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Et là-dessus, le roi Darius écrivit le décret. Et en décrivant ce décret, c'était que on devait adorer, on devait se mettre à genoux, on devait commencer à prier, à louer la statue qu'elle avait élevée. Seigneur notre Dieu, quand on dit qu'on devait adresser des prières seulement au roi, alors que Daniel était un enfant d'éternité, un fils d'éternité, ils savaient que la prière, elle doit adresser seulement à notre Dieu. Et comme ils ont écrit leur décret, et dans ce décret-là, quiconque adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté au roi, serait jeté dans la fosse au lion. Et nous savons que Daniel a eu confiance en Dieu. Daniel a eu confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas obéi à ses décrets. Il adressa sa parole au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Malgré qu'il a été jeté dans la fosse au lion, mais celui qui vit éternellement, celui qui est le lion de la tribu de Juda, a neutralisé ses décrets. Il est intervenu, est intervenu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ta parole a rédigé un autre décret. Si la loi nous a apporté la mort, mais la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ nous a apporté la vie. À travers le Saint-Esprit, nous sommes ambassadeurs. C'est le Saint-Esprit dans de nos vies qui va faire que, il va manifester la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ a effacé les œuvres de la loi qui nous condamnaient, qui étaient contre nous. C'est pourquoi quand nous prions, Père Tout-Saint, devant tous les décrets démoniaques, nous déclarons que l'œuvre de la croix a tout effectué. Nous dénonçons à ces décrets maléfiques qui nous apportent désolation et malheur. Nous détruisons ces décrets par temps de nos prières. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, paralyse et détruis tout décret des ténèbres,
que les gens de ce monde ont fait contre nos vies. Nous savons, Père Tout-Puissant, que dans le monde spirituel, ils ont vendu nos biens matériels. Nous rachetons nos biens matériels par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous savons, Père Tout-Puissant, dans ce monde matériel et dans le monde spirituel, ils ont vendu des parties de nos corps. C'est pourquoi nous trouvons toujours, nous avons toujours des maladies dans cette partie-là. Nous savons que les rachats de notre Seigneur Jésus-Christ par son sang précieux qui est par ses meurtrissures qui manifeste la puissance de Dieu et la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons qu'ils ont vendu nos étoiles. Nous récupérons nos étoiles entre les mains de ceux qui les ont vendues. Que nos étoiles puissent commencer à briller au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. On a échangé nos mariages. On a échangé notre réussite. On a échangé avec des grades sur le plan spirituel. Il y a de ceux-là qui sont devenus des chefs dans le monde spirituel. Il y a de ceux-là qui sont devenus des rois, des reines. Nous annulons ces transactions. Nous annulons, nous détruisons ces échanges par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a quelqu'un dans la lignée familiale de mon père et de ma mère qui nous ont vendus dans n'importe quelle famille, nous annulons cette transaction par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous venons devant de toi. Nous voulons vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Des fois nous sommes tourmentés. Des fois nous sommes dans des regrets. Des fois nous sommes dans des découragements. Des fois nous vivons l'humiliation. Des fois nous vivons la dévaluation de soi. Des fois nous vivons des choses bizarres. Nous savons très bien, Père Tout-Puissant, toi seul qui peux relever ces défis. Toi seul qui peux intervenir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous nous approchons de toi avec un cœur sincère, dans l'appétit de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, c'est là notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre la réconciliation qui va s'effectuer sur le plan spirituel entre ce que nous, on doit vivre, ce que Dieu avait prévu pour nous. Nous savons que Christ nous a réconciliés par sa mort. Tout ce que nous avons perdu en se réconciliant avec notre Seigneur, nous voulons vivre la paix par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons vivre le bonheur par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes fortifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous savons que dans ce combat d'eau spirituelle, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Au nom de Jésus-Christ. En entrant au-devant de toi, à travers cette œuvre que toi tu as fait sur la croix, c'est là, c'est notre Dieu. Cette œuvre va faire l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, il nous a rachetés par son sang. Il a payé le prix le plus élevé, qui est sa vie qu'il a donnée pour nous. Nous voulons vivre les effets de ces rachats, parce que nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Et ces rachats, on doit les vivre dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Et tout ce qui est à nous doit être racheté aussi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux nous délivrer, toi qui es notre défenseur tout-puissant, toi seul qui peux nous soutenir dans notre corps, dans notre souffrance, Seigneur, manifeste-toi. Là, on a été vendu, tu viens nous délivrer par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Là, on nous a fait perdre dans la servitude, où nous vivons des choses bizarres. Tu viens nous délivrer par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que partant de l'œuvre de la croix, que vient la délivrance, nous voulons vivre l'œuvre de la croix dans nos vies, dans nos affaires, dans nos transactions, dans tout ce que nous allons entreprendre, que l'œuvre de la croix se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es notre Créateur, toi qui nous as formés, toi qui nous as libérés, toi qui nous délivres. Tu délivres aussi nos biens matériels entre les mains de l'ennemi. Tu délivres aussi nos étoiles entre les mains de l'ennemi. Tu
Tu délivres aussi nos avoirs entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu. Nous savons que toi seul qui peux intervenir. Parce qu'en nous délivrant, en voyant ta main puissante agir, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Seigneur, tu nous as acquis. Tu as payé le prix qui est le sang précieux. Quand ce jour-là en Égypte, le sang a été versé, le sang de l'agneau. C'était pour la libération des enfants d'Israël. Mais ils sont sortis avec tous leurs biens. Et nous constatons aujourd'hui, nous continuons à vivre la misère. Nous continuons à vivre les échecs. C'est comme si nous sommes encore sous la servitude, alors que l'œuvre de la croix est venue nous libérer. Alors que si la croix, Jésus, est devenue malédiction, pour que nous puissions vivre la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si hier on vivait de mauvaises choses, aujourd'hui, nous réclamons que tout ce qui est à nous soit libéré entre les mains de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que notre argent, que le monde détienne encore, puisse disparaître dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as rachetés, nous voulons vivre les rachats dans tous les domaines possibles. Tu as racheté nos âmes, nos esprits, nos corps. Seigneur notre Dieu, toi qui es miséricordieux, car ta miséricorde dure toujours. C'est le livre de Psaume 107, verset 2. Je te loue car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Nous les rachetés de l'Éternel, le Seigneur nous a délivrés de la main de l'ennemi par son sang précieux. Nous voulons vivre des grâces multiples. Nous voulons vivre l'abondance. Que nous sommes libérés, nous, nos avoirs, nos bénédictions matérielles, spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons la rédemption par ton sang précieux. Nous avons la rémission de nos péchés par ton sang précieux. Nous avons la richesse de ta grâce par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens par la foi pour racheter mon mariage là où ils ont vendu ça. Là, ils ont échangé ça dans le monde spirituel avec des grades d'agents de ténèbres. Mais par le sang de Jésus-Christ, mon mariage a été racheté au nom de Jésus-Christ. Je vais récupérer le mariage de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de la main des acheteurs démoniaques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les droits des rachats accordés par la parole de Dieu, après être vendus dans les péchés, et par le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que le sang d'Abel, que nous puissions vivre la main puissante de Dieu. Seigneur, délivre mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Délivre ma vie pour qu'elle ne reste pas dans la pauvreté. Mais que l'épanouissement soit mon partage à cause du sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous savons que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés non par des choses périssables, mais par l'argent ou de l'or. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de nos pères. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous dis dans le livre d'Ésaïe 43, verset 1, ainsi parle l'Éternel qui m'a créé, qui m'a formé. Il m'a demandé de ne pas craindre, car j'ai été racheté. Il me connaît par mon nom. Je suis à lui. Il m'appelle. Lui qui fait un travail dans ma vie, il va me justifier par son sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux me sauver de la mort spirituelle et physique, au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux me délivrer, me garantir des coups de guerre, des glaives, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis appelé un saint de Dieu, racheté par mon Dieu Tout-Puissant, par son sang précieux. Je ne serai plus à délaisser. Je ne serai plus la personne qui restera abandonnée parce que le Seigneur m'a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il sera avec moi jusqu'à la fin du monde au nom de Jésus-Christ.
C'est notre Dieu. Je sais que je ne peux pas me racheter moi-même. Mais c'est toi seul qui as payé le prix. Et le prix que tu as payé, c'était ton sang précieux. Et quand tu nous délivres de celui qui est plus fort que nous, celui qui a pris nos richesses dans le monde spirituel, celui qui garde encore nos bénédictions, à chaque fois que nous sommes bénis, ils envoient des puissants, des ténèbres, des esprits méchants qui viennent soutirer pour enlever tout ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur, nous demander ton intervention par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre-nous de toutes nos détresses. Ce que nous vivons, Père Tout-Puissant, nous voulons plus vivre la malédiction liée à la fin de nos pères, parce qu'il était devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous voulons être bénis, que la bénédiction du Tout-Puissant se manifeste dans nos vies. Seigneur notre Dieu, toi qui veux nous visiter pour nous racheter, Père Tout-Puissant, non seulement nos âmes, mais tu as racheté sur nos biens, Père Tout-Puissant. Toi seul qui peux défendre la cause de mon âme. Toi qui nous as rachetés. Toi qui peux défendre aussi, Père Tout-Puissant, nos bénédictions matérielles et spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous savons que le rachat de nos âmes coûte cher. Et comme tu as pu verser ton sang précieux, mais sur la croix, tu étais devenu si pauvre pour que nous soyons enrichis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous devons glorifier le Seigneur notre Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Et tout qui est à nous appartient aussi à Dieu. Nos richesses appartiennent à Dieu. Nos mariages appartiennent à Dieu. Nos bénédictions matérielles appartiennent toujours à Dieu. Parce que les rachats que nous vivons, nous vivons cette œuvre-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous avons été vendus comme esclaves. Nous avons été libérés par le sang de Jésus-Christ. Mais quand nous regardons nos santé sont échangées dans le monde des ténèbres, quand nous regardons nos avoirs sont échangés dans le monde des ténèbres, nous savons que l'argent qui répond à tout, c'est le livre d'Ecclésias, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ intervient, il vient avec les rachats de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ intervient, il vient avec la rémission de nos péchés au nom de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ, qui est l'argent qui répond à tout, intervient, nous voulons vivre la bénédiction matérielle et spirituelle au nom de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ se manifeste dans nos vies, nous voulons être en possession de tout territoire qu'on a perdu. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons récupérer tout notre territoire. Là, on doit régner. Là, on doit réussir. Nous récupérons ça par les rachats de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as appelés, nous voulons chanter un cantique nouveau. Que toi, tu es digne d'ouvrir les sceaux. Car tu as été moitié rejeté pour Dieu par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Seigneur notre Dieu, quand on a hypothéqué nos âmes, quand on a vendu nos âmes, c'est nous savons que nos âmes coûtent plus cher parce que ça a coûté le sang de Jésus-Christ. Et personne n'aura les droits sur nos âmes parce que Christ nous a rachetés. Et lui qui va défendre ma cause, il va nous rendre la vie selon sa promesse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des puissants des ténèbres qui ne veulent pas que nous entrions dans la promesse de Dieu, qui ne veulent pas que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Seigneur, tu vas te manifester au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car mon Dieu Tout-Puissant est avec moi au nom de Jésus-Christ. Tout projet, tout ordre, tout décret qui a été donné dans les ventes des marchés d'âmes, soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, soit anéanti, détruit par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi,
par la puissance du Saint-Esprit. Je me présente devant notre Dieu en utilisant les marteaux de Dieu Tout-Puissant pour détruire tout écran, tout satellite, tout miroir kabbalistique, tout miroir chaman, contrôlant mes avoirs, contrôlant ma richesse, contrôlant mon mariage, contrôlant tout ce que j'ai entrepris. Je détruis tout ça par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous anéantissons les flèches de pauvreté. Nous anéantissons les flèches des maladies démoniaques. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a fait sur les plans spirituels. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, que toutes les attaques maléfiques planifiées contre ma vie, celle de ma femme, de mon mari, de mes enfants, dans le monde spirituel, malgré leurs ventes, malgré tout ce qu'ils ont fait, nous savons que les rachats de nos âmes coûtent cher et Christ nous a rachetés par son sang précieux. Je vais annuler leurs transactions. Je vais neutraliser leurs opérations spirituelles au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par la puissance du sang de Jésus-Christ, les ventes faites dans le monde des ténèbres, les essences faites dans la sorcellerie sont annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute facture donnée par les vendeurs dans la famille de mon père et de ma mère, ces factures soient brûlées par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout décret ordonnant sinon dans le marché des ténèbres, que ces détruits soient annulés, effacés, consumés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout puissant des ténèbres, mais confisquera toujours la bénédiction matérielle. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a donné cet ordre. Quelque part, il y a quelqu'un qui a livré ma bénédiction. Quelque part, il y a quelqu'un qui a fait des rituels dans le monde spirituel pour que tout ce que moi j'aurai, je ne puisse pas me jouir de ça. Mais l'Écriture nous dit, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Car le Seigneur est toujours avec nous pour nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Que tout démon désigné pour me faire reculer, tout démon désigné pour me retourner en arrière, ces démons sont neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ils ont vécu les démons du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout autel de la sorcellerie qui se sert dans le feu de mon père, dans le feu de ma mère, qui nous réclame dans des ventes, qui nous réclame dans des échanges, qui nous réclame dans des accords mystiques apportant désolation et malheur, par la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons ces autels au nom de Jésus-Christ. Tout puissant des ténèbres qui planifie de gâcher ma vie, sois menacé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout agent assigné pour attaquer mes finances à travers des attaques dans mes rêves, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a vendu mes finances, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a échangé mes finances, cet agent des ténèbres qui vient de récupérer de temps en temps ce que moi j'ai, qui soit neutralisé, paralysé, vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans n'importe quel domaine de ma vie, j'envoie la tempête de Dieu, le tourbillon de Dieu, dans tous les lieux ou endroits où les démons se réunissent pour planifier la destruction de ma famille, pour planifier les échecs, pour planifier de mauvaises choses contre nos vies. Quand j'envoie la tempête et le tourbillon de Dieu, j'utilise encore les marteaux de Dieu pour briser, pour détruire leur miroir de contrôle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais briller les éclairs. Tu vas disperser mes ennemis. Lance tes flèches. Tu vas les mettre en déroute. Ceux qui ont hypothéqué
ma vie, ceux qui ont hypothéqué ma richesse, ceux qui ont hypothéqué mon mariage, ceux qui ont hypothéqué beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, et je n'arrive pas à atteindre la destinée, qu'ils soient menacés, qu'ils soient attaqués par les flèches de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient mis en déroute par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous ces agents des ténèbres qui nous ont vendus, qui ont vendu n'importe quoi dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, qu'ils soient confiés, ceux qui en veulent à nos richesses, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent à vouloir dérober tout ce que nous avons. La permission qui leur a été donnée dans la sorcellerie familiale soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout cas des agents des ténèbres me contrôlant sur les plans spirituels, quand ils voient qu'il y a une bénédiction matérielle, ils envoient les agents des ténèbres pour venir me confisquer ça. À cause de cette alliance, à cause de ces accords, à cause de ces marchés de nuit, j'envoie le tonnerre de Dieu contre ce camp des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous venons devant de toi pour demander la délivrance. Seigneur notre Dieu, partout l'ennemi a fait des décrets, ils ont publié dans le monde des ténèbres, ces décrets soient annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ces publications soient annulées et faites par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu, nous savons que les bénédictions d'en haut doivent être nos partages. Les bénédictions des cieux doivent être nos partages. Seigneur notre Dieu, que tout projet maléfique, tout plan de l'ennemi qui détruit mes projets, soit foudroyé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je libère toutes mes bénédictions qui ont été bloquées par des ventes nocturnes, par des ventes de marchés démoniaques. Seigneur, par la puissance de Jésus, je libère mes bénédictions entre leurs mains, par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toutes mes bénédictions bloquées, emprisonnées, entassées quelque part, je libère ces bénédictions par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toutes mes possessions confisquées par les reines et les rois des ténèbres, que ce soit relâché par le charbon de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout ce qu'elles détiennent de moi, s'ils ont placé ça dans un coffre, s'ils ont placé ça dans une marmite, ils ont placé ça dans une prison de ténèbres, j'embrasse ces prisons de ténèbres par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est à moi me revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je brise tous les contrats sataniques qui ont été faits dans le monde de ténèbres. S'ils ont fait ces contrats-là, je n'étais pas là. Je ne peux pas aussi prendre des parts de leurs contrats démoniaques. Parce que quand ils font leurs contrats, il y a de ceux-là qui vendent nos âmes. Il y a de ceux-là qui vendent nos richesses. Il y a de ceux-là qui vendent nos mariages. Il y a de ceux-là qui ont vendu les études de nos enfants. Il y a de ceux-là qui ont vendu nos avoirs. Seigneur, je sais que les rachats du sang de Jésus-Christ, quand ça intervient, ça brise, ça détruit ces contrats. Et tout ce qu'ils ont récupéré, je récupère ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais qu'il y a de ceux-là, en nous serrant la main, en nous donnant à manger, à boire, ils ont hypothéqué tout ça, ils ont pris tout ça, ils se sont servis comme étant la monnaie d'échange. J'annule tout ce que j'ai reçu. J'annule, j'efface tout ce que l'ennemi a échangé à partir de son argent qu'il m'avait donné. Je détruis, je neutralise cet échange par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, tout ce qui a été fait sur les plans spirituels, dans les buts de me nuire, Seigneur notre Dieu, à partir d'aujourd'hui, mon argent ne sera plus réclamé dans le monde des ténèbres. Mon argent ne restera plus entre les mains des agents des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui ont vendu nos mariages, ceux qui ont vendu nos âmes, ceux qui ont vendu nos talents, ceux qui ont vendu nos dons, ceux qui ont vendu tout ce que nous, on peut avoir. Seigneur notre Dieu, ils nous ont limités, Père Tout-Puissant, qu'on ne peut pas dépasser tel montant. Seigneur, viens délimiter le tout par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens débloquer le tout par la puissance du tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Viens anéantir le tout. Viens détruire ces blocages. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant de Dieu. Je vive l'autorité de la puissance de la croix. Je rejette tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de moi aussi. Sois rejeté au nom de Jésus-Christ. Je rejette. Je brise toute alliance au contrat établi avec les esprits des eaux. Qui vient avec la submersion, soit brisé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Je rejette et puis toute alliance ou contrat établie avec les sorciers par le charbon de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Que ces contrats soient réduits en cendres par le charbon de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Je rejette toutes les alliances et contrats que les esprits impurs ont fait dans le monde spirituel, ce qui m'apporte les échecs, ce qui m'apporte la stagnation. Je brise, je détruis par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Je mets en cendre, je brûle en cendre tout livre, toute écriture, tout décret démoniaque. Soit consumé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. J'amène tous ces contrats qu'ils ont signés dans le monde spirituel, les contrats de faux mariage, les contrats des échecs, les contrats de manque de réussite, les contrats de maladie. J'amène ça sur la croix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est là où tous ces contrats seront détruits par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Tout contrat qui a été passé dans le monde spirituel lors de nos relations sexuelles dans le passé, je brise ces contrats. Je renonce à ces contrats liés à la sexualité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute partie de mon corps soit purifiée, soit nettoyée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je ne suis plus dans des engagements des ténèbres que tu t'es fait dans le monde spirituel sans ma volonté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand tu dis, qu'est-ce gagnerait-il quelqu'un s'il vendait son âme? Seigneur notre Dieu, mon âme ne sera jamais perdue. L'âme de ma femme, de mon mari, de mes enfants ne seront jamais perdues. L'âme des enfants de mes enfants ne seront jamais perdues. Au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu dis, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Ce n'est notre Dieu. Nous ne voulons pas échanger nos âmes. Nous refusons d'être échangés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont pu gagner en échangeant nos âmes, en vendant nos âmes, ils vont commencer à perdre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir la manifestation de notre Dieu. Nous voulons vivre de bonnes et de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme, l'âme de mon enfant, de mes enfants, les âmes de mes enfants, les âmes de tous les saints, des enfants avec nous prions ensemble, ne seront pas utilisés dans le monde des ténèbres.
ne seront pas vendus au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand on parle de la valeur de nos âmes, ça veut dire qu'on fait allusion à un sens économique. On parle des vendeurs et des acheteurs. On va à une évaluation. Or, nos âmes ne peuvent être pas vendues. Toute personne qui a donné quelque chose, qui a donné l'argent à travers des opérations de message subliminal, que ces messages ne soient détruits par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont vendu la beauté des enfants de Dieu, ils sont paralysés, neutralisés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont vendu la richesse des enfants de Dieu, ils sont menacés par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont vendu des richesses, ceux qui ont rendu les enfants de nos enfants, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ils seront menacés. Ils seront foudrés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la réconciliation par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons vivre les rachats de nos âmes, parce que nous sommes appelés les rachetés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les grands prix que toi tu as payés, qui peut comparer ces grands prix? Personne ne peut comparer ces grands prix. Seigneur notre Dieu, si on nous parle de cargaison, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 13, si on nous parle de cargaison de toute espèce, de cargaison de bois, de reins, de fer, d'or, Seigneur notre Dieu, de cargaison de bœufs, de brebis, de cargaison de chars, de corps et d'âmes d'hommes, si nous n'allons plus nous trouver comme si on était leur marchandise. Là, ils nous ont étalés. Là, ils nous ont vendus. Seigneur notre Dieu, le sang de Jésus va commencer à parler. Parce que nous avons été rachetés. Personne d'autre ne peut encore nous vendre au nom de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous détruisons les trafics des âmes au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les trafics des âmes, les trafics de nos biens matériels. Le trafic de nos réussites. Nous sommes régénérés par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quel que soit les prix qu'ils veulent fixer, si nous ont vendu à quelque chose de rien, parce qu'on leur a donné la nourriture, parce qu'on leur a donné l'argent, ils ont dit que nous serons vendus à partir de ça. Nous savons toutes ces choses-là n'ont pas de valeur devant le sang de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là n'ont pas de valeur devant le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons vivre la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si nous voulons libérer nos âmes, là on les a emprisonnées, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons libérer nos âmes, là on nous a enfoncés, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons libérer nos âmes. Là, on nous a retenus en captivité, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons libérer les âmes des enfants de Dieu qui étaient dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont plus utiliser nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la libération, l'affranchissement par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui as vaincu les puissants des ténèbres, nous nous combattons aussi dans la victoire parce que ce que toi tu as fait, nous utilisons l'œuvre de la croix. C'est pour vaincre tout plan de l'ennemi, tout projet du diable par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de toute déviation. Là où ils ont vendu les âmes des enfants de Dieu, là où ils ont vendu, Père Tout-Puissant, n'importe quoi dans la vie des enfants de Dieu. Là, ils ont soutiré le nombre des années. Là, ils ont dit, ils ne vont pas atteindre telles années. Nous détruisons leurs décrets. Nous détruisons leurs projets. Nous, enfants de Dieu, saints de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous allons atteindre le nombre de jours que le Seigneur a prévu pour nous sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ce que tu as prévu pour nous depuis l'éternité, personne ne pourra utiliser nos étoiles.
Là, on a vendu nos étoiles. Nous voulons récupérer nos étoiles par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde ce que toi tu as fait sur la croix. Personne ne pourra plus nous vendre au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons été rachetés. Nos biens ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la main des puissantes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la manifestation de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que par la souffrance que toi tu as portée sur la croix à Golgotha, c'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Tu as été frappé par Dieu et humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et justement, il nous donne la paix est tombée sur toi. Et par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, la Bible nous dit, quand on avait accepté le Seigneur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes doivent passer. Nous ne devons plus continuer à vivre de mauvaises choses. Nous ne devons plus commencer à vivre des échecs. Parce que l'Écriture nous dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait de la loi du péché de la mort. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, c'est pour Père Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Seigneur notre Dieu, à partir des lèvres de la croix, nous récupérons toutes choses qu'on a perdues. Nous récupérons les mariages. Nous récupérons la réussite. Nous récupérons des bénédictions matérielles et spirituelles. Nous récupérons les études de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui intercèdes pour nous, selon la Bible qui nous dit que Jésus qui est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quelle que soit toute forme de ténèbres qui veut se présenter, ils ne réussiront jamais. Parce que l'intercession de Jésus-Christ a la puissance. C'est lui qui est mon avocat par excellence. Au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la puissance de la parole de Dieu. Nous vivrons des merveilles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que toute condamnation des échecs, toute condamnation des morts, toute condamnation des manques de réussite, toute condamnation des vols de bénédictions, nous détruisons ça par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a fait sur les plans spirituels. Nous allons récupérer tout ce qui est de nous qu'on a vendu dans le monde spirituel, là où il garde ça, nous récupérons notre trésor au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos richesses au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos mariages au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos étoiles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je fais taire toute voie de sacrifice satanique faite sur les plans spirituels. En polluant mon espace atmosphérique, je fais taire ces voix démoniaques par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la loi d'esprit de vie qui nous a affranchis, tu as neutralisé tout cri démoniaque par les puissances de ténèbres utilisées dans le monde de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce qu'ils ont sacrifié des gens, à partir des sacrifices, ils arrivent à me réussir. Ils oublient que Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix pour que je voie la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toi qui es le médiateur de la nouvelle alliance, nous nous sommes approchés de toi, de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je neutralise tout témoignage que le monde des ténèbres utilisait contre moi.
Au nom de Jésus-Christ, n'importe quel sacrifice sanglant qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres pour me réussir, je détruis ça par la voie du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout rituel fait contre mon argent, tout rituel fait contre ma réussite, soit neutralisé, paralysé par le sang de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ soit dans ma conscience pour nettoyer les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin au jugement de désolation au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin au jugement d'emprisonnement spirituel par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin à la pauvreté par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin à des maladies terminales par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin à l'esclavagisme dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang de Jésus-Christ, je mets fin à toute torture, à toute désunion dans les foyers, à toute incapacité à pouvoir me concentrer pour ma réussite. Je mets fin à cette guerre démoniaque. La victoire du sang de Jésus-Christ me rend victorieux au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ puisse m'affranchir à tout ce que l'ennemi a promis contre ma vie. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je mets fin à la puissance de l'esprit des rejets. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je mets fin à l'esprit de gaspillage. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je mets fin au travail infructueux. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je mets fin au système d'abandon qui se manifeste. Quand je vais réussir, j'abandonne. Je suis découragé alors que la réussite était tout près de moi. Je mets fin à ce système d'abandon sur le point de presque réussir par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au pouvoir des malédictions, des échecs, aux examens, aux entretiens d'embauche, aux examens de promotion, aux offres de contrat et à tous les processus qui conduiront à mon élévation. Je mets fin à tout ça qui m'amène vers le bas. Je vais être élevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.